voici la triste et lamentable histoire de Pépette, la princesse des autotamponneuses. J'ai connu la Pépette aux autotamponneuses. Elle avait la 7 et moi j'avais la 2. La sienne, elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne, la Pépette, mais c'était son métier, les bonnes boniches. Je lui ai dit, tu viens souvent aux autotamponneuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, ça la rendait joyeuse. Elle m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu demandes ça? Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu demandes ça? On est allé voir une creuse près des autres tamponneuses. Elle a l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune. Elle était pas vraiment des choses, elle était pas du tout affreuse. Moi, j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. J'ai offert à Pépette un tour d'autotamponneuse. Elle a gardé la 7, moi j'ai repris la 12. Le patron de l'autotampon qui était très gentil, comme musique de fond, il nous a mis sur le chanter les portes du pénitencier. Les petites autos tournaient et tournaient et tournaient. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette. Même qu'un coup sans faire exprès, elle s'est foulée la tête. Aïe. On est allé voir une creuse près des autres tamponneuses. Heureuse dans sa robe moche, elle avait l'air moins amoureuse, elle m'a dit d'un air songeuse, faut que je rentre chez ma logeuse. Quelle catastrophe, quelle catastrophe, j'ai c'est ton vrai nom. Elle m'a dit, puisque t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Zézette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle a pris framboise, et moi j'ai rien mangé. Ça coule le long du corset. On est allé voir une queuse près des autres tamponneuses. J'ai trouvé soudain hideuse dans sa robe trouée. Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse, je préfère les autres tamponneuses. Tu n'es pas sexueuse, mais dis-moi quelle heure qu'il est. Le numéro 122 en gagne un accordéoniste géant de moustache abîmé. Où est la petite telle
file attend sa maman à côté du stand des merguez. Allons-y, roulez jeunesse, accrochez la tenue Mickey. Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka de l'or, en carton. Bien fait. Attention, attention, le propriétaire de la voiture immatriculée automobile 75 est prié de la déplacer, elle gêne l'autocar du Parti communiste. Et allons-y, roulez jeunesse. La personne qui a perdu un portefeuille en cuir est priée de le rapporter. La 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 Baston.